Alors c'est Rolex, c'est Rolex, Rolex Pierre qui lui-même qui c'est coordonnateur des bureaux régionaux et Rolex Pierre ça non impliqué dans le monde. Qui est venu faire mon entrée dans l'espace bureau, qui n'a pas de carte d'identité, qui a menacé la sécurité, et non encore indexé parmi les gens qui entrent dans le bureau, qui ont joué une poudre après présence de Mounsao. Ça veut dire que Mounsao n'a pas accès encore pour entrer dans le bureau. Parce que Mounsao représente une menace pour la vie employée, et nous disons que nous ne parlons pas de Mounsao parmi nous, parce que nous travaillons en toute quiétude, en toute sécurité dans l'espace bureau. Merci. Madame Dumendo, ça que nous là encore. Si employés yo, par rapport à menace qui pose sous dos, ils décident de regrouper pour exiger la direction générale pour faire lumière sur sa coude là, pour faire lumière sur le monde qui est entré en espace à nous, on ne pas supposé entrer et éventuellement prendre des sanctions pour capable permettre que tout le monde fonctionne, yo vienne travailler en toute quiétude et en toute sécurité dans l'espace bureau. Comme y a même estimé que c'est nous, c'est deux agents de sécurité qui imposé et rentrer par rapport avec l'autre qui ont été recevoir de supérieur hiérarchique, puis dans manœuvre a fait pour intimider yo, yo invité au parquet, il a répondre aux questions commissaire du gouvernement nous dire. Directeur, sa rotation madame. Yo invité employé li, li vini, li présenté avec employé, mais yo pas indexé DG. Ça veut dire nous même nous vienne supporter et collègue nous yo. Nous pensons. Oui, on va aller de poudre. Est-ce que tu as des gens qui ont été victimes? Oui, moi-même personnellement, je prends la poudre dans mon être. Je suis déposé pour être sur le match là et pour être à planter, mais puis on paquet de bagages bouton levé là-dedans. Bon, je ne sais pas moi-même. Je ne sais pas si je suis expert dans la poudre. Mais comme nous connaissons les bureaux, est-ce que c'est à faire avec la migration? Caméra dysfonctionnelle. C'est agent de sécurité qui est sous force, qui a fait rapport parce que c'est dans le cadre de travail. Nous avons vidéo. C'est dans le cadre de travail, il n'y a pas de caméra qui est à base. C'est ça qui explique la présence d'agents de sécurité sous force. Et effectivement, le monde qui est fini dans l'Odia, le moment où il est librement, le absorti, ils ont demandé pour agent de sécurité fouiller. Ça vient éveiller soupçon agent de sécurité pour demander pour qui ça. Parce que généralement, les gens entrent dans l'autre en bon gens. Et c'est ça qui t'explique que vous êtes capable de mener l'autre monde, de faire intimidation, de faire menace sur l'employé dans l'autre dans le jour qui est 27 mars. Pour ça éveiller soupçon agent de sécurité, le fait que vous demandez pour fouiller, leur absorti, et puis l'un effectivement agent de sécurité, vous allez garder dans l'espace du roi, vous allez tout le corps bassiner avec vous.
Donc ça veut dire, et puis agent de sécurité, vous faites ce que de droit, vous faites un rapport, vous voyez le chef de service, et chef de service verbalise ça que fait là, vous voyez le direction administrative, et direction administrative lui-même, il relaye un juge de paix, il verbalise ce passe là. Pour aveugle que nous voulons balayer, nous-mêmes nous sommes employés dans l'OPIA et vous venez de dire que Jean, c'est chef syndicat André Lé, Association nationale des nobles renforçateurs de la loterie d'État ici. Nous, ouais, volonté de GAG, lui-même, pour que nous soyons capables d'accoucher une série de projets clés, de manière à ce que nous permettent que l'autorité de l'État haïtien lui-même joue un rôle effectivement comme régulateur de système. Il y a des projets que DGA a mené. Nous avons aimé que DGA lui été en place pour que lui-même finalise le projet ça, pour que effectivement DGA et l'autorité de l'État haïtien lui-même joue un rôle dans le secteur hasard avec l'agent comme régulateur et c'est lui-même qui chef secteur. C'est dans ce sens-là, nous concertons entre nous et nous parlons avec un pilote autorité dans le pays pour nous garder comment et déjà ou moins lui-même arrêter dans tête l'autre de manière à ce que lui-même implémente le projet ça pour que l'autre lui-même sorti dans la situation lamentable que lié aujourd'hui à et permettre que la population et les qui opérateurs qui sont dans le secteur. Les gens qui ont joué à Zayo et employés de l'État et l'autre l'État ici, ils sont capables d'aller en souffle pour qu'ils soient capables de remplir le rôle correctement, genre la loi, lui-même, il prévoit ça. Mais pour qui ça a les déchets Wesh dans la justice aujourd'hui? Alors, c'est une crise aiguë. C'est dans le cas d'une crise aiguë qui est dans l'autre. Il y a à côté des employés qui ont velléité pour venir et directeur général de la loterie d'État haïtien. Yo premièrement dans le jour qui était 27 mars 2024, t'es venu faire et intimidation, t'es venu avec l'autre monde pour venir intimider employé yo. Nous ça ta moun yo mené yo ta assemblé des monde qui armé pour t'était agent de sécurité yo t'es obligé faire des tirs de sommation pour que capable faire moun sa yo évacuer et pour être capable protéger reste employé yo qui était dans boîte là et éventuellement bien bureau là. Et dans le lendemain, et dans le 26 mars 2024, même groupe Mounsao qui te permet d'individus non identifiés, probablement armés à entrer dans l'autre IA, ils étaient venus aux environs de 5 heures du soir, côté ces seuls même qui étaient dans l'espace là, n'ayons leur pas supposé dans l'espace là, parce que premièrement, c'est après travail, et deuxièmement, et par rapport à la conjoncture, insécurité pour les pays, il n'y a pas de gens qui fréquentent l'espace, pas de gens qui même venu aux environs de 5 heures du soir. Et leur monde a été quitté l'espace là, ils ont remarqué qu'il y a des poudre tout côté dans le bureau. Et ça lui-même a créé une panique générale pour côté employé, que eux même ont été obligés de regrouper tête yo pour qu'ils soient capables de demander pour lumière faite, pour identifier qui ça pour l'aïe. Identifier qui est ce monde qui est venu poser pour là, parce que nous connaissons 4 employés, ça y est, même qui dans la veille, ils ont mené le monde, venu faire intimidation sur les employés dans l'autre, et ils ont même retourné, c'est eux-mêmes qui étaient dans l'espace, pour identifier et puis éventuellement prendre sanction contre les gens, et pour nous finir, nous exiger pour renforcer la sécurité pour là. Pour les gens qui ont velléité, je nous dis là, pour venir. Nous avons vu dans tête l'autre comme directeur général. Il a fait des acrobaties, il a fait des manœuvres politiques pour être certain. Il y a un dossier qui a prêté au niveau de l'administration. Et puis, eux-mêmes, ils ont venu dans le cadre pour intimider l'autre employé. Ils ont dit qu'il a subi des menaces de mort, il a subi des voies de fer. Pendant ce temps, pas de bagage à du tout. Au contraire, c'est employé qui senti menacé par rapport à la présence de Mounsao. En dans bureau, c'est ça qui fait depuis Mounsao. Proche beaucoup de bureau incendié. Parce que Mounsao, employé, ils ont estimé que Mounsao est très menaçant. Premièrement, il a mené les gens dans l'autre, il a fait intimidation, il a zam, probablement, parce que monsieur Sayo qui est entré dans l'autre, il n'a pas de agent de sécurité, il a fouillé, et il a menacé l'agent de sécurité, c'est ça qui est la cause. On déplore ça et pété, jour 27 et mars. Et puis deuxièmement, il a signé poudre. En dans l'autre, pour capable d'emblimer pour employé, pour capable nuire à la santé, à la sécurité et à la vie, employé qui vient chercher des boudins dans l'espace.